Bonjour à tous, un nouveau tutoriel aujourd'hui. Je vais essayer de vous montrer comment faire un maquis simple avec des effets assez chouettes en moins de 15 minutes de n'importe quel objet, que ce soit tout petit ou grand comme un bâtiment, en utilisant simplement une pendule indépendante et un laser unique. Alors, première chose qu'on va faire tout de suite, c'est des. On va aller dans le setting, projection zone. Et là, on va se créer, donc ici j'ai une zone déjà, la zone de base, je vais créer une nouvelle qu'on va s'appeler. On va se prendre la tête. Il est sur le 2, 1, 4, et la fiche. Et là, je vais faire très grossièrement. C'est juste simplement pour dégrossir et pas se retrouver avec une zone énorme et de retravailler tout petit bout. Ok, ça c'est fait, on valide. On va se trouver un espace libre, ici. Trouver un clou libre, create, new frame, address. À partir de là, on essaie de faire. Commencer à marquer les traits. Thank you.
Par exemple, si on veut que ça soit beaucoup plus court, que ça soit vraiment juste une bande. What we do here is go back, 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 back. Sur un objet, sur... voilà, comme ça. Et ce, en moins de 10 minutes. Et vous faites la blague, vous pouvez faire ça sur... vous pouvez faire ça sur une voiture. Voilà.
I'm gonna go get the.